Bonjour charmants téléspectateurs, je suis Alice de Genève en Suisse. En Suisse, nous vous envoyons nos meilleurs vœux pour que vous ayez la paix intérieure éternelle. Dans le programme d'aujourd'hui, la série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions à propos de notre planète, Prophéties sur l'âge d'or, 7e partie, les prophéties de Nostradamus. Nous vous présentons les quatrains prophétiques de Nostradamus. À travers l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, messies ou quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés. Leurs mots sont obscurcis. Mais comment pouvons-nous distinguer le vrai du faux? Pour le faire, on ne peut compter que sur le divin pour nous guider. Et la vérité se révélera d'elle-même à ceux qui la cherchent sincèrement. Michel de Notre-Dame, plus communément appelé Nostradamus, est un voyant français qui a vécu au XVIe siècle. Il est célèbre aujourd'hui pour avoir écrit les Prophéties, un recueil de 942 quatrains poétiques qui prédisent l'avenir. En 1550, Nostradamus a publié ses premiers almanachs, une revue annuelle listant une série de prédictions pour l'année à venir. Et au fil des ans, ces almanachs ont présenté plus de 6338 prédictions. Par la suite, son œuvre la plus connue, Les Prophéties, a été publiée. C'est une compilation de prophéties non datées qui, selon Nostradamus, couvre une période allant d'aujourd'hui en 1555 à l'année 3797. Exprimées sous forme de quatrains poétiques, les prédictions racontent divers événements historiques liés au climat et plus encore. Nombre de ces événements se sont réalisés et ont pu être vérifiés à l'époque même où vivait Nostradamus, comme par exemple l'invasion de l'Europe par l'Empire ottoman. Nostradamus a alors attiré un grand nombre de soutiens car beaucoup reconnaissaient qu'il avait prédit justement plusieurs événements importants dans le monde. Maître a dit un jour que Nostradamus n'était pas un voyant normal et qu'il avait atteint le niveau d'Arahat, un grand saint, avec des pouvoirs de voyance exceptionnels. Le grand arbre des religions est couvert de branches. Cependant, le prophète Nostradamus a prédit que la religion du nom des mers sera victorieuse. La religion du nom des mers vaincra contre la secte du fils Adalun Katif. L'autre secte obstinée, déplorée, craindra des deux blessés par Aleph et Aleph. Nigel Raymond Offord, qui a étudié et interprété les prophéties de Nostradamus, a écrit « À première vue, cela semble trop complexe et profond. Et si mer signifie l'océan Pacifique, qui signifie la paix, le pacifisme l'emportera-t-il sur les religions les plus guerrières? Comme la mer ou l'océan symbolisent souvent une foule de gens, cela pourrait nous dire qu'une forme de pacifisme l'emportera sur un autre groupe religieux. La famille des langues occitanes ou provençales, familière à Notre-Dame, employait le son accentué « a » du latin et utilisait « mar » pour « mer », dérivé du nom « marée ». Quant au passage « la religion du nom des mers vaincra », ce quatrain pourrait marquer un changement de direction. Adalun Katif semble provenir d'une langue ancienne, mais ce n'est pas le cas, c'est comme dire « blablabla bla ». Ce terme pourrait être utilisé pour symboliser un dogme désuet ou dénué de sens que les gens ne comprennent plus. De cet être mandaté par le ciel, d'autres sectes déplorées auront peur. Ils se blesseront s'ils essaient de nuire à la religion de l'océan. Et puisque tous les êtres ne font qu'un, si vous blessez quelqu'un, vous vous blessez aussi.
Master, I have a question about Nostradamus' prophecies. Many people believe that he predicted the wars and tragedies that happened throughout human history. And in one letter he wrote to his son, he said that there will be a worldwide conflagration or fire, which is to bring so many catastrophes and such revolutions that hardly any lands will not be covered by water. And this will last until all have perished. The rains, yes, and he said that the rains will be diminished so much, and such abundance of fire and fiery missiles shall fall from the heavens that nothing shall escape the Holocaust. And this will occur before the last conflagration. Very scary, Master. And it sounds similar, but even worse than actual events we've seen so far. So, Master, are such disastrous prophecies for our world like this one supposed to come true if it's not for heaven's grace? It could have come true, but we have tried to stop it. Oh, yes, Master. We have tried to stop it. So it's better now. It could have become worse. Yeah? Yes, Master. You see? Yes. That's why you said the prediction sound worse than the actual events. Yes, Master. No, he predicted the truth, but then we have stopped some of the worst disaster that could have happened to our planet and the humankind. But nevertheless, recently in the SM magazine, our magazine, they have printed the article of Nostradamus' prediction, another kind of prediction, and you will find a better picture of our world after the big screening. You didn't read it? We read it, yes. Okay. yes, it said that there will be at least 1,000 years of complete peace and prosperity thanks to the emergence of a new world leader or messiah. Mm. And it's good. Yes, Master, it's very exciting. Yeah, that's a good news, huh? Yeah. Thank you, Master, for your blessing. Wow. Yeah, I pray for it. Yes, Master, we'll pray for it. Le vrai Messie. L'Oriental sortira de son siège, passer les monts Apennins, voir la Gaule. Transpercera le ciel. Thank you.
les eaux et neige. Et chacun frappera de sa gaule, c'est-à-dire réveillera tout le monde avec sa sagesse. Nostradamus a utilisé à maintes reprises des images également contenues dans les écritures telles que Isaïe, le livre de Daniel, les évangiles et le livre de l'Apocalypse. Tandis que beaucoup de ces quatrains dépeignaient des événements de nature apocalyptique similaires à ceux prophétisés dans la Bible, Nostradamus prévoyait la fin de toutes les luttes. Il a annoncé que le Christ tant attendu, un messager de Dieu, viendra de l'Orient et que la portée de ses enseignements profitera à l'humanité en général. Et son apparition sur terre annoncera la grande résurrection, lorsque les morts sortiront de leur tombe. You free soul was the time of initiation, you free. That's why when you initiated, your five generations become also liberated. Il incarnera les valeurs selon lesquelles le passé et le présent seront jugés et sera également le juge. Il aura le cœur d'un père ou d'une mère. À présent, faisons une courte pause pour savourer une tasse de thé vert. Nous reviendrons très vite après ces messages. L'orvosnak pusztán felkészültség kérdése, hogy valaki megérti azt, hogy például a vegán diéta néhány nap alatt képes krónikus betegségeket Dr. József Tamasi, The Plant-Based Diet is the Best Medicine, Part 1 of 2. Watch on Monday, October 8th to find out more. Ravi de vous retrouver pour la série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions au sujet de notre planète. Prophétie sur l'âge d'or, 7e partie, prophétie de Nostradamus. Dans les Espagnes viendra un roi très puissant, par mer et terre subjuguant le midi d'or. Ce mal fera rabaisser le croissant, baissant les ailes à ceux du vendredi. Le maître suprême Qinghai a aussi vécu discrètement dans différentes parties de l'Espagne pendant plusieurs années. Le maître suprême Qinghai et les disciples diffusent souvent le message de Dieu dans les pays hispanophones, ainsi que dans de nombreuses terres saintes.
Le maître a aussi donné une série de conférences en Afrique du Sud, le pays doré, ensoleillé. Elle a aussi donné des conférences dans la région de la mer d'Asie du Sud, où se trouvent des milliers de villes insulaires et des townships en bord de mer. Elle est accueillie et aimée par tous les fidèles religieux, qu'ils soient catholiques ou islamiques. Le croissant est le symbole d'une religion, le vendredi est le symbole d'une autre religion. Et la prophétie de Nostradamus, Centurie 5:4-79, indique « La sacrée pompe viendra baisser les ailes, par la venue du grand législateur, il élèvera les humbles. » I feel the world should encourage artists more in different way, should appreciate more their work, offer them more recognition and appreciation, offer more support and offer more respect in all ways, all means, all aspects, and above all, not wait until they leave our world in misery. Then sail their souls steering, heart-touching products for millions of dollars, while the artists themselves struggle with meager existence when they are alive among us. Rất nhiều nghệ sĩ vô danh, mình cũng phải cảm ơn họ. Tại sao cảm ơn tất cả mọi người mà không cảm ơn nghệ sĩ? Nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi, tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Có thể nói là người nghệ sĩ là một vị an ủi tinh thần không thể thiếu thốn trong đời sống của thế gian này. Tại sao mình không cảm ơn họ? Mình không thể nào mọi người đều giúp đỡ hết, ít ra cũng phải cảm ơn. Ít ra cũng có lòng tri ân chứ. Cho nên cái ngày nghệ sĩ thế giới này, tôi hy vọng là sẽ lan rộng tất cả mọi miền trên địa cầu để mà mọi người đều tưởng nhớ tới những người nghệ sĩ tài ba đem sự hỷ lạc cho mình. Sera les rebelles. They should vow to abandon war as well inside their heart and rebuilding what they can do. Rebuilding, you know, help in rebuilding effort, redeem the mistake. Yes. And rebuild, repair the things or places that has been destroyed by their action, directly or indirectly. Repent to heaven and pray for forgiveness and blessing and help to change to a better person themselves. Ne naîtra sur terre aucun émulateur. Master, who created Tuquo? Yes.
You did, Master? The Tim Kotu and company, yeah, and the people of your school. Okay. Wow. Thank you so much. The Turquoise will mature into original universe. The mature universe is called Yosku, original universe. The Tukwa also original universe, it's just younger, dormant, way to become original universe in ethereal physical existence. Not physical, but you know, spiritual physical existence, spiritually physical, not physical material, okay? Yes, Master. But then most masters also don't remember that much. Mostly they don't remember. Even after they became master, they don't remember that much. You have to go beyond mastership, masterhood, in order to remember. Like if you want to remember original universe and all that stuff. But most masters don't need to remember all that because they have not been in the original universe anyway, so they would not remember. Like he remembers his past life. Yes, Master. And some of the heavens that he had been, in some position he had been in the heaven, but not the original universe, okay? Yes, Master. Original universe, only one person created. And if you are not that person or that being, then you won't remember. Yeah, what do you think, how I can negotiate with heavens or with the karmic law if I don't have enough power? Many masters come and go from the fifth level. It cannot do much. Understood, Master. Can only help a group of people, their own disciples. But to leave the whole world and to save the whole planet is another matter. All in the universe are connected by these divine connection lines. From the low earthly realm to the highest heavens. It's a wonder network. It's an incredible, intricate pattern of network. It is so wonderful to know about it. I'm very happy. Wow, Master, we're touched. Thank you for telling us about these spiritual connection lines. Yes, you're welcome. Nous apprécions que vous nous ayez rejoints pour l'épisode du jour de cette série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions à propos de notre planète, prophétie sur l'âge d'or, la prophétie de Nostradamus. Ne manquez pas la dernière partie de notre série, tandis que nous continuons à explorer davantage notre fascinant avenir tel qu'il est prédit par ce grand voyant.